C'est un matin particulier, premier matin de deuil au Royaume-Uni européen et mobilisé au lendemain de la mort d'Élisabeth II et alors qu'un nouveau souverain s'apprête à monter sur le trône. Bonjour Fanny Marceau. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il a déjà choisi son nom. Ce sera Charles III. À la mi-journée, celui qui a toujours été prince deviendra officiellement roi à 73 ans, successeur d'une reine à l'incroyable longévité, 70 ans, 7 mois et 2 jours de règne. Élisabeth II, c'était une mère, une grand-mère pour des générations britannique, l'incarnation des valeurs de son pays, un modèle de dignité et d'abnégation. Outre-Manche, la douleur est immense et elle s'exprime notamment devant le palais de Buckingham à Londres, où vous êtes pour Europe 1. Lionel Gougelot, bonjour. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Lionel, le corps de la reine est encore au château de Balmoral, à quelques 800 km de là, en Écosse. Il n'arrivera pas mm -hmm. à Londres avant mardi. Pour autant, des milliers de londoniens sont venus pleurer leur reine dès hier soir. Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est un peu paradoxal, hein, parce que ce, ce grand palais glacial de, de Buckingham, ce n'était pas loin de là même hein, la résidence préférée de la reine, mais c'est le siège de cette, de cette monarchie éternelle où les Britanniques expriment leur chagrin, rendent hommage à leur euh, reine Élisabeth. Toute la nuit, ils ont été, vous l'avez dit, des, des milliers, malgré la pluie battante, à venir déposer un bouquet de fleurs au pied des grilles de ce palais. J'ai entendu des, des groupes de jeunes entonner en, en le, le God save the Queen. Il y avait parfois des applaudissements, comme si les sujets de Sa Majesté rassemblés dans une sorte de communion nationale, voulait la remercier d'avoir guidé ce peuple britannique jusqu'au bout. Mélange de, de tristesse et de respect, donc, comme chez Nelly et Chrissy que j'ai rencontré ce matin devant Buckingham. So j'ai le cœur tellement brisé, tellement brisé. Elle n'a jamais abandonné, jamais. Elle voulait être notre reine jusqu'à ce qu'elle meure. Et vous savez, toute la nation britannique la respecte. C'est un nouveau chapitre. Mais j'ai confiance en Charles et Camilla. Alors justement, Lionel, le nouveau roi Charles III doit chausser, revêtir sa couronne aujourd'hui au palais Saint-James. Comment vont se passer les heures qui viennent alors, il doit d'abord prononcer son, son premier discours de roi hein, après avoir rencontré la, la première ministre euh, Liz Truss. C'est un message, euh, nous dit-on, qui sera enregistré, qui sera diffusé à la télévision en fin de journée. Il sera officiellement proclamé roi demain, à l'issue de la réunion de ce que l'on appelle ici le Conseil d'accession. Il deviendra. 73 ans, le souverain le plus âgé a accédé au trône britannique. God save the king, diront maintenant les sujets de, de sa majesté, après 70 années de règne d'une queen. Et eh bien pour des générations, j'en ai beaucoup parlé hier soir avec des britanniques et des londoniens qui se trouvaient face à Buckingham Palace, et eh bien c'est le symbole d'un chapitre d'histoire, voire même de tout un livre qui se referme. Merci Lionel Gougelot en direct de Buckingham Palace pour Europe 1. Bien